peine de me lever. Je suis déjà fatigué. Alors je m'affale dans mon canapé pour faire une pause bien méritée. Y'a peut-être un truc à la télé, j'essaie vainement de l'allumer. Ça ne marche pas alors je me rendors. Pas question de faire un effort. La folie des glandeurs, se lever le matin à 6h. Ça les réveille en sursaut, leurs nuits ne sont pas de tout repos. Bien loin des chemises et de cravates. Quand je pense à tous ces gens qui courent au boulot, j'ai des vertiges et froid dans le dos. Heureusement je ne travaille pas, ma femme le fait très bien pour moi. Si un jour elle en a marre, c'est ingrate, on ne mangera plus que des patates. La folie des glandeurs, les mains pleines de graisse et la sueur. C'est la quatrième dimension, il faudrait juste gagner des millions. De l'autre côté c'est bien pareil, on ne dort pas sur ses deux oreilles. Chef de rayon jusqu'au patron, les week-ends leur paraissent bien longs. Surveillance, vérification sont les bases mêmes de leur fonction. Et ils promettent le supplice du pal au premier qui se fait porter pâle. La folie des glandeurs, les voir s'arrêter un quart d'heure. Même si le travail, c'est la santé. C'est fatigant de ne rien glander. La folie des glandeurs, se lever tous les jours à 11h. C'est sûr que ça nous ennuie. Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi?